Nous avons organisé aujourd'hui à la CGM une conférence de presse afin de présenter nos priorités économiques pour l'année 2021 qui couvre 6 chantiers urgents et structurants. La première priorité est d'aider les entreprises pour la mise en œuvre rapide de la stratégie des fonds propres via le lancement d'un fonds généraliste de prêts participatifs avec une distribution par le réseau bancaire. Deuxième, c'est l'amélioration de l'accès au coût des facteurs de production de l'entreprise à travers 6 aspects, à savoir l'énergie, le foncier industriel et la logistique, la formation. La formation, nous constatons que seules 1225 entreprises ont eu accès aux contrats spéciaux de formation parmi environ 190 000 entreprises, correspondant à 47 millions de dirhams de remboursement pour 800 millions de dirhams de budget annuel, sachant que le cumul des fonds non utilisés a atteint la somme de 2 milliards de dirhams. Il faut que la formation continue soit plus simple, plus accessible et plus souple pour qu'elle profite au maximum au plus grand nombre de TPME. Nous avons aussi comme facteur de production serait l'emploi à travers l'amendement du Code du travail notamment et l'innovation. La troisième priorité, c'est l'instauration d'un e-gov en faveur du développement économique, notamment à travers la simplification des procédures administratives et les mesures de sauvegarde. Notre quatrième priorité est la promotion du Made in Morocco et le soutenir par la préférence nationale. Notre cinquième priorité est de favoriser la reconversion pour une meilleure employabilité. L'objectif serait d'assouplir l'IPE et de le conditionner à la formation et de reconversion. La sixième priorité qui est majeure, il s'agit de l'intégration du petit informel et de l'éradication du grand informel. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.